أزول مرافلة كنت في الأول في قبل قبل تولين تزولت سيملي لي تسقي مازال أول ذو مسلا يدوس قارب شافين ديفرون دي ثمون الجزائر غورنا غسقي مسا لويزا حنون نتفيك سدان وسنس في الحبس والمسلا يسقي يفز غفطس سنت مسلا أزول فلام ثنمير ثمي درز غورنا أزول تزورا أخميني صدف توقر أن الحبس نف مواقف يون بس لا جورنية عندك ميث ليه في الحبس وكسقوس 80 لزاني كاتروفا ام هي ضم سلايف في نف موا ان الحفص لا بريزون اي تساعد دم سير وزح الحبس يبقى حبس لا بريزون ريست توجور لا بريزون داكور عندها واحد كونت يل بير سا ليبرتي يو سو ريتروف انفيرمي سورتو اذا كان هو بريء سي لي انوسون دو سي تادير كي لي اربيتريرمون صفه تعسفيه في الحبس en 1983, qu'un Nidam le système de parti unique vrai, c'est-à-dire pur et dur, et le système avait encore des ressorts, et l'État était plus ou moins fort. L'État algérien était fort, était à l'international respecté. Donc, on a été arrêté, tous les courants d'opinion qui existaient, traînant le Hebs par centaines, et c'était à la veille d'un congrès du FLN, et le FLN était déjà traversé par des dissensions. Il y avait une partie qui a voulu la réforme, à l'ouverture, et une autre partie, les conservateurs, qui a voulu la réforme. Et il y avait déjà plusieurs courants qui étaient arrêtés, les militants pour la cause Amazir, il y avait... nous, on avait été arrêtés juste avant le congrès du FLN à cause d'une déclaration pour le multipartisme, pour la liberté d'organisation contre le système de parti unique, d'accord ? Donc, je militais à l'époque FLOST, l'Organisation Socialiste des Travailleurs, je compte aussi militante des droits des femmes. D'ailleurs, le commissariat, j'ai vu dans le dossier des photos magnifiques, les manifestations de femmes contre le code de la famille, pour la liberté de circulation pour les femmes. Parce que, en même temps que le printemps à Mazir, il y avait la mobilisation Ta'ansa contre le code de la famille. Ce n'est pas un hasard. Il y avait aussi juste à Qbil la mobilisation des travailleurs pour l'indépendance de l'UGTA, c'est-à-dire les questions démocratiques centrales qu'elles nous tlaqaw. Et on a été arrêtés, et puis on n'a pas été jugés. Il y avait une campagne internationale, campagne nationale est difficile, le système de parti unique, mais quand même, avec un collectif, des avocats qui se sont constitués. Et à l'international, il y avait une campagne internationale pour notre libération. C'était nos amis à nous, hein, les militants socialistes, etc. Mais ils ont mobilisé pour la libération de tous les détenus d'opinion en Algérie. D'accord ? Ils avaient fait des cartes postales, les femmes, Souhirte avec les deux autres militantes, Fatoma Ouzgan la Rahma, ancienne Mujahida, qui était aussi dans le mouvement Femme Ma'ana, mais qui était aussi dans la politique. Et puis il y avait une militante avec moi dans l'OST, il y avait la femme du docteur Naqash, la Rahmo, qui était le premier ministre de la Santé de Mbla, Ulla Naqash, qui est une Suédoise. Et puis du côté des hommes, il y avait Alihi Abdelnour, il y avait docteur Ben Mansour, docteur Naqash. Il y avait Hadoum, c'est-à-dire les militants, Ben Mbla, Hna, la cause d'Amazir, les droits de l'homme, il y avait les islamistes aussi, hein, ceux qui par la suite ont fondé le FIS. Donc la campagne internationale pour notre libération a permis à ce que la plupart, parce que l'État algérien n'a pas supporté qu'il y ait une campagne internationale, c'est-à-dire que il y a l'Algérie, il y a la répression, il y a ceci, il y a cela, etc. Il y a des femmes en prison, il y a des syndicalistes, il y a des vieux militants des droits de l'homme, etc. Ils n'ont pas supporté. Surtout que, par exemple, nos avocats à nous, c'était Maître Yves de Chezel et Maître Yves Jouffa, qui étaient aussi les avocats des militants et dirigeants de la révolution algérienne.
comme Rabih Bitat, Allah yarhamou, qui était président de l'Assemblée, comme Mohamed Boudgaf, Allah yarhamou. Et donc, c'était les dirigeants de la révolution et c'était leurs avocats. Donc, c'était dur pour Rabih Bitat, Allah yarhamou, lorsqu'il a reçu la délégation des avocats, qui étaient ses avocats, et qui lui ont dit, ça nous fait de la peine, 20 ans après l'indépendance de l'Algérie, de venir aujourd'hui poser le problème de la libération de détenus, de femmes, de voilà, et qui en fait revendiquent la démocratie, ou qui n'ont rien fait de mal, quoi. Il n'y a pas, ni terrorisme, ni rien du tout, ni tentative de coup d'État. Mais le chef d'inculpation, pour nous, les chefs d'inculpation, c'était très grave. C'était association de malfaiteurs, distribution de tracts subversifs, c'était MSSB Amn al-Dawla, l'atteinte à la sûreté de l'État, c'était des accusations de la peine capitale ou là, man arf wesh. Alors, et on était, au début, quand on a été arrêté, c'était la prison civile, tribunal civil, on a refusé la correctionnelle, d'être, c'est-à-dire la qualification à un délit, au bout de 3 mois. Mais non, on n'est pas des droits communs, on n'est pas des... donc on a refusé, ce qui fait qu'on a été transféré au tribunal militaire. Le tribunal militaire, mais qui ne nous a pas jugés. Il est juste venu négocier avec nous, en tout cas les femmes, quand on a fait la grève de la faim, pendant 15 jours, pour soutenir Fatouma Ousgane, parce qu'elle avait des difficultés. Donc, ils n'ont pas osé aller jusque-là. Chadli Benjdid, Allah yarhamou, à l'occasion du 8 mai, il a fait une déclaration en disant voilà, nos enfants qui se sont trompés, etc., on va leur pardonner, restent nos enfants, Ralto, etc. Bon, nous, on ne savait pas. Nos avocats, on était à Mdia, à la prison de Mdia. Maintenant, je me souviens, mon grand frère était. Barouagia. À Mdia, les femmes et les hommes à Barouagia. Mm-hmm. Mais ils étaient ensemble, tous réunis à Barouagia. Là, on était clètes, à chaque fois trois. C'était mon grand frère qui était venu me dire, voilà, Chedli a fait un discours, je pense que ça ne peut concerner que les détenus d'opinion, donc peut-être que vous allez sortir. Effectivement, 2-3 jours, on est sorti dans le cadre d'une grâce amnistiante. C'est-à-dire, « Afou, Chamil, fil, hagda, yani, wahid al, mufhoum qanouni, chouya, chouya, trop algérien, jazaïri, afou, Chamil. » C'est-à-dire une grâce amnistiante. On ne peut pas dire que c'est une grâce parce qu'on n'a pas été jugé et condamné, définitivement. Donc, en même temps, une amnistie, ce n'est pas réellement une amnistie, c'est devenu une grâce amnistiante. Voilà. Mais Ma'lish, ils ont trouvé une porte de sortie. Le régime et le système étaient encore capables de faire ça. En 2000, la différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas un mouvement révolutionnaire en Algérie. À ce moment-là, il y avait la mobilisation des étudiants. Des lycéens, c'était par rapport au bac, c'est tout. Il n'y avait pas de mobilisation, il y avait une mobilisation pour notre libération, il y avait les femmes qui tentaient encore de se mobiliser contre le code de la famille, qu'on a fait passer pendant que nous, on était en prison, c'est-à-dire même ça, ils l'ont mis à profit. Et alors, c'était l'assemblée du parti unique, c'était le système de parti unique. Là, on est censé être... même dans un semblant de démocratie, ça m'a une façade démocratique, mais de surcroît, le 22 février 2019, c'est un processus révolutionnaire qui a éclaté, les intalak, Masar Thawri. C'est pas un Hirak, c'est pas comme au Maroc, il y a quelques années. C'est des revendications sociales, c'est des revendications politiques. Chez nous, ça a été d'emblée le départ du système. C'était contre le cinquième mandat, mais juste... immédiatement après, c'était contre le système, départ du système, mais bien sûr, il y a un contenu social. C'est impossible qu'il n'y ait pas de contenu social. Ça veut dire que c'était en train d'évoluer la formulation, les mots d'ordre. C'est un processus. Comme tout processus, personne ne sait quand il va commencer et quelle forme il va prendre. Ça a été l'histoire du cinquième mandat. Ailleurs, Fitounis, ça a été le Bouazizi. Ça dépend, chaque pays, quelle est l'étincelle. L'étincelle, c'était prévisible, c'était le cinquième mandat. Donc, c'était une situation révolutionnaire, un processus révolutionnaire. Mais la révolution et la contre-révolution, toujours. Toujours un affrontement bien atome. La contre-révolution, un processus révolutionnaire, il va jusqu'au bout. Il va réaliser l'Ahdaftar ou ses objectifs, à savoir, il nahi le système. Enlever le système, chasser le système
pour que Chab, il exerce sa souveraineté pleinement et que c'est lui qui choisit, qui définit les institutions, tabi'atoum, le contenu tahoum, kulchi. Ça, bien sûr, les partisans du système, du maintien du statu quo, tout de suite se sont mis en œuvre. En ce qui me concerne, dès 11 janvier en vérité, dès que j'ai commencé à m'exprimer contre le cinquième mandat et à mettre en garde en disant que ça sera le point de rupture. Ça sera le point de rupture. Et effectivement, c'était le point de rupture. Alors, Doubabel Electroni, d'une violence rare, ils ne se sont pas arrêtés. Bon, qui dit Doubabel Electroni, tout le monde le sait, c'est un appareil. T'as une fraction. C'est un appareil, t'as une fraction, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de moyens matériels. Et ça a duré comme ça. À chaque déclaration terrible, sur quelques questions que ce soit, dès que j'ouvrais la bouche, hop, ils se déchaînaient par milliers, par dizaines de milliers, quelquefois par centaines de milliers, parce qu'ils ont les moyens, les computers, tout ce qu'il faut pour ça. Ils appuient sur des boutons et hop, c'est l'insulte, c'est l'invective, c'est la grossièreté. Ce n'est pas des gens qui font de la politique, c'est du mercenariat. D'accord ? Et nous avons quand même constaté qu'une partie de ce Doubab électronique se trouve à l'extérieur, à l'étranger, dans certaines capitales européennes, et y compris arabes. Donc bon, on a tout de suite compris quelle tendance c'est et pourquoi. Là, ça devient une question idéologique. Ça veut dire que nos déclarations, nos positions en tant que parti dérangeaient Walesh, parce que d'emblée, nous avons dit, c'est un processus révolutionnaire, ce n'est pas un hirak. Qui dit processus révolutionnaire, dit la parole au peuple, c'est lui qui décide. Donc pas de colmatage, pas de replâtrage, t'as un édam. Donc c'est pas, la réforme n'est pas la revendication. C'est pas la revendication, d'accord ? L'écrasante majorité, le départ du système, bikul romozu, tous ces symboles et donc ces institutions, son parlement, son gouvernement, kulchi, d'accord ? Donc nous, on expliquait, on clarifiait cela, et en disant, l'aspiration profonde, c'est la démocratie, c'est comme le régime colonial, j'ai un État indépendant. Un État indépendant, donc après 62, eh bien, il fallait passer par une assemblée constituante. Elle a été confisquée, ça, c'est vrai. Mais l'assemblée constituante, elle intervient toujours quand il y a un changement de système, un changement de régime, d'accord ? On passe surtout en situation révolutionnaire. Mais ça peut être en mobilisation pour une véritable réforme. Et alors, c'était clair, on était dans le collimateur, j'étais dans le collimateur en permanence et on était la cible déjà dans les marches. Il y avait des groupuscules de Baltaghia, tout le monde les a vus, des Baltaghia, qui disaient d'ailleurs, nous sommes payés pour ça, on ne cherche pas à comprendre. On ne cherche pas à comprendre, on n'a pas de problème personnel avec elle, maintenant on est payé pour faire ça. Elle est belle, non ? Qui peut payer ? Qui est dérangé ? Qui était dérangé par la politique du PT ? Donc, maintenant, nous avons résisté. Et alors, à un moment donné, bien sûr, la différence, la différence entre 1983 et 84, nous sommes sortis en 84, nous avons été libérés, nous avons récupéré nos papiers, nos livres, nos documents, et y compris nos salaires, les 6 mois de salaire. L'État nous a versé nos salaires. Ça veut dire totalement réhabilité. Et pour la première fois, sur El Mujahid, puisqu'il n'y avait pas d'autres journaux, sur El Mujahid, il y avait la liste les militants qui avaient été libérés, qui étaient en prison au Kharjo. D'accord ? Et les 9 mois de 2019. Et les 9 mois, alors les 9, à l'intérieur, déjà en 83-84, bon, la prison à l'époque, on était seul, à l'arrache, on était malheureusement dans le quartier des détenus politiques Tawart Thawra. À la colonisation. On était aussi dans l'isolement, les détenus politiques, on était 3 à chaque fois. On était à chaque fois 3. Kitrohev, Thomas Ouzgan, la Irma, quand elle a été transférée à Mdia, Jabou Ulla Nkash à sa place. Et on était seul. Bon, on était. L'isolement. Dans l'isolement, on faisait ensemble de la politique, on recevait nos avocats, etc. Après, Mdia, c'était difficile, c'est une petite prison, c'est juste pour les transferts. Il n'y a que 2 cellules. Sur le plan matériel, c'était difficile. Mais bon, c'est-à-dire... Et Blida en 2019 Alors, Blida en 2019, c'est une autre situation, c'est d'autres rapports. D'abord, en 83-84, on n'était pas connus.
L'OST n'était pas connu. C'était des organisations clandestines. Tous les militants étaient clandestins. Donc, pour tout le personnel, on était des politiques. Donc, ça tombait du ciel pour eux. Hein. Mais t'amlou ma'ana de façon très correcte. Quoi, hein. Toute l'administration de la prison, t'a al-Harach, et aussi bien que t'a al-Mdiya. Mdiya, c'était un ancien Mujahed avec son épouse. C'est tout, une toute petite prison. Bon. Mais il y avait une campagne internationale qui était très très bonne. Là, à Blida, c'était le choc d'abord. C'était le choc de me voir à la télévision. Et bien sûr, ça, c'est illégal. J'étais convoqué comme témoin. Et finalement, je me retrouve écroué, donc, à la fin du truc, de l'audition. Et tout le monde avait vu à la télévision qu'en fait, j'étais encore chez le juge, que déjà, l'image était diffusée. Montant les escaliers. Ça veut dire que le NTV était déjà présent et même a pris l'image à Tawhal des chaînes privées. Donc, ce qui veut dire que la décision était prise auparavant, quelque chose comme ça. Et donc, moi, j'étais... Bon, c'était bien sûr irréel, mais je dois avouer que j'étais plutôt sereine. J'étais sereine. Bon, c'était... quand le juge m'a dit, voilà, m'a annoncé la décision, m'a demandé si je voulais faire une déclaration ou attendre mon avocat. Je lui ai dit si, je ferai la première déclaration. J'ai fait une première déclaration sur le terrain des principes, sur le terrain de ce que représente mon arrestation, voilà, sur le plan du droit, sur le plan politique, sur le plan de la démocratie, et y compris par rapport à l'aura de notre pays, quoi. Comment sera perçue cette arrestation, d'autant plus que je suis la coordinatrice, un des deux coordinateurs, donc une coordinatrice internationale de l'Entente internationale des travailleurs et des peuples, qui a mené campagne pour ma libération dans plus de 100 pays. Il y avait une campagne internationale, donc autrement plus forte qu'en 1983-84, parce que à travers mes activités, donc je suis connu sur l'ensemble des continents par des organisations syndicales, par des organisations politiques de gauche, mais y compris des responsables politiques de différents pays qui me connaissent parce que d'abord je suis une responsable politique, donc à la tête d'un parti qui a une histoire, qui a tout un passé de lutte, de victoire, de conquête, et qui tire ses origines au 8 mai 45, dans le 8 mai 45, lorsque Mustafa Ben Mohamed, le fondateur, le doyen, fondateur et premier secrétaire général du parti, avait décidé à l'âge de 19 ans de rejoindre le PPA. Lorsqu'il avait vu le carnage du 8 mai 45, il a considéré, comme il le répétait, qu'il n'y a aucun avenir dans le cadre de la colonisation, qu'il fallait rejoindre la lutte. Il a rejoint la lutte, il s'est retrouvé membre de l'OS, il s'est retrouvé responsable dans le PPA, dans le MTLD, etc. Puis il a eu ses 7 ans de prison par la suite, de 55 jusqu'à 62. Et donc un parti qui a une histoire, et un parti internationaliste qui a des liens, qui a une place importante dans l'échiquier, dans ce qu'on appelle l'échiquier politique, dans le cadre du multipartisme. Un parti socialiste, farouchement attaché à son idéologie socialiste, à la propriété collective des grands moyens de production, à la démocratie véritable, un parti qui a fait ses preuves dans les combats, un parti qui a osé présenter une femme pour la première fois comme candidate au présidentiel dans toute la région. C'était une première, et y compris à l'époque dans le continent africain aussi. Et donc, et qui a des ramifications dans la classe ouvrière, parmi les travailleurs, parmi les paysans pauvres, parmi la jeunesse, parmi les couches défavorisées, parmi les cadres du pays, parmi, bien sûr, les fonctionnaires. Et donc, pour tous ceux qui ont vu ça, c'était le choc, y compris ceux qui m'ont reçu à l'intérieur de la prison, c'était un peu la panique, quoi, au début. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que, bon, l'affaire, elle est encore... en cours, quoi, puisqu'on a fait cassation après la Cour suprême, après le verdict, la requalification donc de crime vers délit. Mais j'étais dans l'isolement, toute seule dans une cellule. Bon, l'administration se comportait très correctement avec moi. D'abord parce que je dépendais du tribunal militaire. Ils m'ont expliqué dès le premier jour que j'étais une sorte d'invité chez eux.
ضيفة ندير كي ضيفة عندنا اعتبرينا كوم فامي اكسيتيرا الحق voilà bon c'est les conditions de la prison dans le cadre de la crise économique et financière où le budget est à la prison ma dkhelch hatta le mois d'août donc sur le plan de des repas impossible pour moi avec mes soucis de santé etc. impossible bon il y a sept il y avait hein, à l'époque sept médecins des généralistes la prison a été conçue et construite pour 1000 détenus il y avait 3200 une grande majorité des hommes le quartier femmes beaucoup moins mais presque pas de moyens du tout alors les médecins des généralistes donc pas de spécialistes sept généralistes pour 3200 détenus trois dentistes la même chose pour 3200 détenus c'est impossible c'est infernal et même le nombre de gardiennes et de ils appellent ça Aoun, parce que c'est dans le cadre de la réforme de pénitentiaire voilà donc pas de moyens matériels pas de etc très difficile quelquefois même Doliprane Mekinch les médicaments et très très peu de médicaments bon mais en même temps bon une recherche pour Zaman pour des loisirs pour occuper les détenus Kda dans le cadre toujours de la réforme pénitentiaire. Moi, j'ai les droits communs n'avaient pas le droit de me parler, n'avaient pas le droit de me côtoyer, ce qui fait que c'était difficile. Je me suis rabattu sur la lecture, j'ai beaucoup lu. Le premier mois, je ne suis pas sorti de la cellule, je suis resté dedans, je ne suis pas sorti. Donc je lisais, sauf pour aller au greffe ou signer quelque chose, ou bien pour aller au parloir. Je lisais, c'est là que j'ai commencé le premier mois j'ai lu 35 livres c'est-à-dire plus d'un livre par jour parce qu'il y a des livres qui sont petits que j'avais déjà lu 35 ouais. Après à chaque fois je lisais beaucoup combien en sortant j'étais à 250 livres certains je ne les avais pas encore terminés mais ils avaient du mal avec moi puisque pratiquement chaque semaine ils ont une liste l'haq ce qui m'a aidé c'est que la bibliothèque de la prison, eh ben, elle était bien garnie pour une bibliothèque. Enfin, l'Harach, il n'y en avait pas. Hein. En tout cas, en 83-84, il n'y avait pas de bouquins. 250 livres. 250 livres. Beaucoup, je les avais déjà lus, donc c'était plus rapide. Alors, de l'histoire, de la politique, j'étais surprise par un certain nombre de livres sur l'art. J'ai même retrouvé mes origines amazir betafsil, ça veut dire dans les détails. بالتفصيل mes origines amazir donc les Bani Koutama d'accord Koutama tout le monde sait qui ils sont voilà et après donc appartenant à la tribu des Bani Rizli Atrizli après dedans les Bani Idr voilà et y compris alors tout ça il y a un dictionnaire énorme les tribus berbères donc j'ai trouvé l'histoire de toute ma tribu et alors c'est assez marrant parce que j'ai trouvé l'équivalent de la wilaya par exemple de Jijil qui est l'équivalent j'ai trouvé à Tizi Ouzou des appellations par exemple je suis né dans le Douar Irjana et en français il se termine avec un AH Irjin à Tizi exactement la même chose et il y a juste en dessous l'Ouadia les Ouadia à Tizi et puis sont comptés les Oulad Ali, Ali, etc. Alors, et puis bon, plein de choses en commun. Donc j'ai lu énormément. J'ai lu des livres sur les origines, les tribus berbères, à partir d'Ibn Khaldoun, mais aussi d'autres, des écrivains algériens, des arabophones, qui sont excellents. C'est-à-dire on ne peut pas les accuser d'être... il est berbériste, il est parce qu'il est kabyle ou là parce qu'il est gda ou là berbère. Non, c'est des arabophones mais qui ont fait un travail extraordinaire, un travail titanesque. En reprenant Ibn Khaldoun, en prenant, etc., d'autres sources, et pour établir nos origines. Pour établir nos origines, j'étais passionné, je lisais sans arrêt, j'ai plongé là-dedans. Et puis aussi, je me suis ressourcé dans des livres que j'ai plus lu depuis l'âge de 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans sur
compris l'histoire de l'islam, de la région, du Moyen-Orient, comment ça a évolué, etc. Le christianisme avant l'islam, le judaïsme, tout ça, mais écrit par des auteurs extraordinaires, c'est-à-dire de la recherche historique. Donc j'ai pu quand même, de ce point de vue-là, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai lu énormément, et puis je ne pouvais pas marcher. Problème, je ne pouvais pas marcher parce qu'il y a deux cours qui sont ouvertes, qui sont petites, mais qui sont réservées aux détenus de droit commun. Si moi, je sortais dans la cour, les droits communs étaient pénalisés et on les enfermait dans leurs cellules. Moi, je refusais. Je ne pouvais pas pénaliser entre 76 et 100 détenus, en fonction, ça varie, en fonction des sorties, des entrées, etc. Et donc, j'ai demandé à l'administration de me trouver une solution. Ils ont trouvé. Il y a une salle qui était en principe, qui devait jouer le rôle de gymnase, mais elle n'a jamais joué le rôle de gymnase parce qu'il n'y a pas les moyens. Il y a même une table de ping-pong qui a été installée contre le mur, pas placée, installée. Hein. On l'a juste couchée là contre le mur, mais elle n'a jamais, parce que bon, il n'y avait pas de monitrice ni rien du tout, il n'y a pas les moyens. Alors je me suis mise à marcher. Quelquefois, il m'est arrivé de marcher 4 heures par jour. Et pendant que je marchais, bien sûr, c'est bon pour la santé, mais en même temps, ça me permettait de dégager, de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ma tête. Et puis bon, j'avais mes avocats, beaucoup, un collectif d'avocats merveilleux, n'est-ce pas, qui a fait un travail excellent et qui venait me voir aussi pour me sortir de mon isolement et de ma solitude, y compris pour que je sache ce qui se passe, parce que j'avais le NTV, là, j'avais le programme national, quoi, la chaîne Ardia, la terrestre, quelquefois quand elle marchait pas à A3, et depuis début janvier, c'est-à-dire au bout du 7e mois, Canal Algérie, ZO, ça me permettait de suivre les reportages sur les wilayas. J'ai découvert mon pays, des reportages fabuleux, c'est vrai. Mais, donc pour le reste, j'avais pas de moyens, je voulais m'informer, parce que ma lecture, j'ai regardé les discours par exemple, ma lecture était biaisée, c'est normal. Lecture politique. Je savais qu'elle ne pouvait être que biaisée puisque je n'avais que ce qui venait du pouvoir, quoi. Du pouvoir de l'époque, ok. Donc, voilà. Mais après, du point de vue des conditions de la prison, du point de vue de... En première instance, j'ai été condamné à 15 ans de 15 ans, comme ça. Ben, j'ai éclaté de rire. Oui, j'ai éclaté de rire. Mes avocats ont accouru, mes frères qui étaient là, même les avocats des autres détenus sont venus à main pour Agda, pour m'encourager, etc. Aucun souci. Parce que je n'ai commis aucun crime, d'accord. Tout à l'heure qu'il y a une thawra ou thawra al-mudada, la révolution et la contre-révolution. Jamais une révolution matemchi comme ça, tranquillement, comme un fleuve, Agda et tout. Non, elle peut dévier, on l'a fait dévier, elle peut s'arrêter, elle peut être dénaturée, et on le voit autour de nous, d'accord. Et dans l'histoire de l'humanité, d'accord. Donc, avant de répondre à la question, t'as le complot. Il était normal, moi je voyais bien qu'il y a des choses qui étaient en train de se... Avant mon arrestation, je voyais qu'il y avait des voitures qui me filaient, qu'il y a la violence, donc je voyais qu'il y avait des choses anormales. Et je voyais que dans le discours politique, la démission d'Aboutflika, mais surtout après la démission d'Aboutflika, je voyais bien qu'on était en train de faire dévier la révolution. Et que quelque part, il y a une opération qui vise à confisquer, à détourner la révolution de son objectif, d'accord, à la privatiser même.
Je vais dire quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le 26 mars 2019, s'est produit un événement. Sera hadith siyasi. L'ijalni n'khaf al-thawra, qui m'a poussé à avoir peur pour la révolution, pour le peuple algérien, pour l'Algérie. J'ai eu peur parce que je voyais une démarche politique au sein des institutions, au sein du régime, pas de façon bien sûr homogène ni globale, mais je voyais qu'il y avait une démarche qui sortait du lot et qui visait à confisquer avec la révolution, à se l'approprier et donc à la détourner de son objectif, et les Houa, le départ du système. Ce jour-là, le 26, moi j'ai considéré que comme responsable politique, comme j'ai toujours assumé mes responsabilités, et à un autre moment, je raconterai, pas aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça, je raconterai aussi d'autres situations où j'ai été amené à jouer des rôles, à prendre des responsabilités délicates et même voire dangereuses quelquefois, parce qu'il s'agissait du sauvetage du pays ou là, du sauvetage de la nation ou là, voilà. Là, j'ai considéré que j'avais pas le droit de rester les bras croisés à observer ce virage extrêmement dangereux se mettre en place. Et c'est comme ça que j'ai accepté la rencontre qui m'a été proposée pour dire une chose, parce que je l'avais déjà dit au téléphone, le frère et conseiller du président. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez la marakum chofou? Mais auparavant, moi j'avais déjà parlé avec la sœur du président le 22 mars et je lui ai dit, ça fait un mois depuis que des millions sont dehors, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il parte. Et elle s'était engagée à aller le lui dire. Parce que de toute façon, s'il ne part pas tout de suite, il va sortir comme Ben Ali ou bien comme Moubarak. Et elle a dit, je vais aller le lui dire. Par la suite, dans le courant du procès, j'ai appris qu'en réalité, Bouteflika avait décidé de démissionner le 23 mars. C'était un concours de circonstances. Hein. Je ne dis pas que... Moi, j'avais parlé avec la sœur le 22 mars. Le 23 mars, lui, et parce qu'ils étaient en train de suivre. Kathleen, nous sommes en train de suivre. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Et voyant que rien ne bougeait, le 26 mars... C'était un tournant dangereux qui était en train de s'opérer. Et donc là, j'ai accepté. J'ai accepté d'aller à cette rencontre, mais avec comme condition qu'il était démissionnaire et sans condition, qu'il allait démissionner. C'était donc pour discuter des modalités, comment il allait démissionner, c'est tout. Comment il allait annoncer la démission. Et ce que j'ai exprimé sur place, c'est qu'il doit partir sans condition ni préalable, tout de suite. Et il emmène avec lui son parlement et son gouvernement. Il démarre le parlement ou le gouvernement. Parce que Chab, parce que la majorité, il ne pas cinquième mandat, il ne va pas le parlement. Donc il emmène ses institutions. Et c'était mon point de vue. Et bon, les deux autres avaient discuté ensemble. Ils avaient, je l'ai expliqué d'ailleurs dans les plaidoiries. Dans mes interventions, ça a été rendu public par le parti. Aussi bien en septembre dans le procès Louis, en première instance, qu'en appel. En appel, dans le procès en appel, devant la cour militaire, je suis allé très loin. Parce que c'était un procès politique. C'était des procès politiques, exclusivement. À aucun moment, ni au niveau de l'instruction, يعني là, à la mustawa le tahqiq, le mahkama le tida'iya, voilà, même l'enquête qui a été menée, ou là, il n'a été question qu'il y a des étrangers, ou la mokhabarat, ou la tahabor, ou là, qui aurait eu complot, qui aurait eu même la DGSE, ou la manaf skoun et tout. C'était un grossier mensonge. Les participants de la réunion. Un grossier mensonge fabriqué par un centre, et qu'une chaîne de télévision privée a diffusé, elle a été relayée par d'autres chaînes privées. Et tellement, ça veut dire le principe, Tahom, c'était plus c'est gros, plus ça passe. Kidbak bira. Alors, les participants, oui, il y avait le général à la retraite,
Mohamed Medine, alias Toufir, et il y avait le frère, le président, qui était son conseiller, qui parlait en son nom. Qui est Tartak? Non, non, il n'a pas participé, il n'était pas là. Moi, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vu. Amri Mesto. Donc, il n'était pas là. Et donc, pour moi, c'était Homa, il s'était vu déjà la matinée. Anna, ça a duré trois quarts d'heure, une heure grand maximum. Et tous les témoins l'ont reconnu. Ils ont dit, c'était Wahdikul une heure et quart, Wahdikul en tout cas, pas plus d'une heure et demie, Wahdikul trois, peut-être trois quarts d'heure. Tous les témoins. Et moi, j'ai réaffirmé ma position. Homa, ils avaient dégagé l'orientation vers une transition courte de six mois. Mujib Yamin Zerwel. Que pour organiser des élections libres, démocratiques, etc. Moi, j'avais milité pendant toute l'année 2018 auprès du frère et conseiller de Bouteflika, son frère, pour qu'il n'y ait pas de cinquième mandat. Ça veut dire que je ne me contentais pas d'alerter Oulagda. Je voulais m'assurer qu'ils n'allaient pas faire cette folie, cette provocation très lourde. Et que durant toute l'année 2018, jusqu'à la fin du mois de novembre, il était hors de question qu'ils s'orientent vers le cinquième mandat. Donc après, quand ils se sont orientés vers le cinquième mandat, moi j'ai rompu, il y a eu rupture. Rupture, après, c'était une période révolutionnaire qui s'est ouverte. Donc aucun juge, ni l'instruction, ni le tribunal de première instance, tribunal militaire, ni la cour militaire, aucun juge, jamais, à aucun moment, l'histoire des étrangers, la participation d'étrangers n'a été posée. C'était... complot, y compris Hadia pour complot, Anaya, ils ont fait tomber. Donc la cour militaire a fait tomber les deux accusations de participation à un complot ou une opération pour faire tomber le régime ou pour changer le régime. Là, je me suis expliqué que le Parti des Travailleurs, depuis qu'il a été fondé, et même Anna, avant, depuis 43 ans à l'époque, 43 ans, je milite pour le départ du système de parti unique. Et tant qu'il sera là, je me battrai pour qu'il s'en aille, pour qu'il parte, pour que le peuple algérien puisse recouvrer sa souveraineté, sa liberté, et fonder lui-même l'État démocratique, conforme à ses aspirations, avec les politiques conformes à ses intérêts, et conforme à la démocratie. Donc, j'ai expliqué notre position sur l'Assemblée constituante. Moi, dans la rencontre, j'ai dit que je n'étais pas d'accord, ni pour Yamin Zerwel, ni pour une transition, parce que c'est dans le cadre du régime, d'accord, c'est toujours dans le cadre du système. C'est le système qui décide la période de transition et qui décide, voilà, par-delà ce que Houma, ils ont expliqué, hein, le pourquoi. Et que moi, j'ai dit, le Parti des Travailleurs, il est pour une assemblée constituante. C'est la parole au peuple. On n'a pas besoin d'un président de la transition. Mmh. La parole au peuple. Pour moi, la seule transition, et d'ailleurs, chaque fois qu'un système s'en va, il y a une période de transition. On ne peut pas du jour au lendemain mettre en place un système jdid, etc. Le président Tebboune a déclaré sur France 24 qu'il était le président de la période de transition. D'accord? C'est ce qu'il a déclaré. Il l'avait déjà déclaré par le passé. Donc, en fait, le concept de la transition n'est pas un crime, si j'ai bien compris. Pourquoi est-il criminalisé dès lors qu'il s'agit d'acteurs qui ne sont pas dans le pouvoir, par exemple, des partis IES, que ce soit des partis politiques ou là des militants ou là des personnalités, qui se prononcent pour une transition démocratique. D'accord? Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec. Mais c'est un débat politique, c'est-à-dire cette tendance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mes avocats et moi-même, nous avons fait la démonstration que c'est la criminalisation de l'action politique. Moi, je suis une responsable politique. J'ai rencontré tous les chefs d'État, l'écrasante majorité des chefs d'État, sauf Boudiaf et Boumedine, la yarhamoum. Tous les autres, je les ai rencontrés. J'ai rencontré les DGSN, j'ai rencontré le chef d'État-major Feu Gaït Salah. Je l'ai rencontré pendant trois heures. Et on a discuté de questions sécuritaires, politiques, etc. Est-ce que j'étais en train de comploter? Certainement pas. Est-ce que j'ai comploté avec Ali Tounsi, la yarhamoum? Certainement pas. Je plaidais pour le syndicat de la police pendant trois ans. Je le tarabustais. Et j'ai tarabusté l'Hemel sur le syndicat. Il disait, moi j'attends la décision politique. Est-ce que j'ai comploté avec eux? Certainement pas. J'ai rencontré des responsables à tous les niveaux, des premiers ministres, etc. En plus, quand j'ai été arrêté, le jour des faits, moi j'étais député. Le 26 mars, j'étais encore député. Et en réalité, jusqu'à maintenant,
Il n'y a pas eu de levée de l'immunité parlementaire sur moi. Il n'y a pas eu la procédure. Il y a un vice. Un vice du point de vue de la procédure. Il y a, en fait, elle est frappée de nullité. Mes avocats, ils ont plaidé. Et c'est pour ça qu'on va, on a fait cassation aussi. J'étais député. Et j'étais censé être protégé par l'immunité parlementaire. Parce que même si nous avons démissionné le 28 mars, le 26, le jour des faits, et la règle à l'échelle universelle, c'est on tient compte du jour de la date des faits, le jour des faits, moi, j'étais encore député. Par-delà le fait que je n'ai pas été convoqué par la commission juridique à l'APN, je n'ai pas pu me désister de mon immunité puisque je n'ai pas été convoqué. D'accord ? Donc là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc ça reste valable, ça reste posé. Donc le complot, les avocats ont démontré qu'il n'y a pas eu de complot. Il y a eu rencontre entre quelqu'un, un conseiller du président qui était en poste, et le conseiller était toujours en poste, un ancien responsable qui pendant 25 ans était chargé de la sécurité de l'armée et de l'État, il était chargé de la sécurité du pays, et une responsable politique d'un parti politique algérien pour qui la défense de la souveraineté et de l'unité du pays est inconditionnelle. Et que nous sommes dans une période révolutionnaire, nous sommes tout... La voie peut être ouverte à n'importe quoi. Pour moi, il fallait que j'essaye de trouver, d'apporter l'aide à la révolution d'une manière ou d'une autre. أزول مرافلة كنت في لون سحر الشويس سنت ذويت من السيقوغونا مسا لويزا حنون ينتفتم ذبار في كفاري خدام من أندا ثغالد غال حفز إنس قحريش ويس أمزولون وثوثث مسليد في سقو سنت 83 سنت لافي لحفز شو سيفران بد فنيك غريغ 250 تكتابين 250 ليفر مين تبوين غال حفز بلدات مسليد أمشي في لاغ في بلدات بشو كثغرا فنيك أمشي في التعدان وسميس في الحفز عندنا نبض مسلاي باشو السبب مي تبوين غال حفص مسلاي بدا في الكومبلو ما تكملو فاني اتاس قم بدي قام بلي خميني في الليف ما دني في تاكفا فوسن المعاونة توفيق الجنرال توفيق يعدان اوك فاني في بوتفليقة مش عندنا في مسلتك في الصح كاين جوست اون انفيم minorité, même pas Agda Chouya, parce qu'ils ont les moyens médiatiques, les andhom, ou là même ceux qui en réalité sont des soutiens d'un système. Houma, ceux que la politique du Parti des Travailleurs dérange, houma qui ont sorti, ou là les médias, les machines ma'am. C'est les médias privés, et on sait ce qui s'est passé, ça a dit que la période, d'accord, après la démission de Bouteflika, la mise au pas de l'ensemble de la presse, presque, à quelques exceptions près. Donc, c'était un rouleau compresseur. Plus c'est gros, plus ça passe. Yani, telfiq le touhem, etc. Qal, nous allons travailler avec Bouteflika, travailler avec Toufiq. Quand je suis sorti, tous les Algériens et toutes les Algériennes, l'intelaqahom, fichera, tous les jours, et alors, c'est incroyable, ils sont unanimes. Wala wahed, personne ne m'a dit كنت تخدمي مع هذا ولا مع هذا وكاين كومبلوغ. Wala, tous يقولوا فاحنا فايقين. On le sait parce que انتيا خفتي على البلاد, خفتي على الثورة, etc. On sait وعلاش سكتوك. Et en plus, tout le monde a compris que كي دخل لويزا حنون responsable politique en prison, la porte a été ouverte après. Les arrestations des détenus d'opinion, des détenus politiques, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, jusqu'à maintenant, des personnes qui avaient été arrêtées à l'époque, mais elles sont en prison, qui m'a le général Ardiri. D'autres ont été arrêtées après, et d'autres ont même été arrêtées là maintenant. Ça veut dire qu'on libère quelques-uns et Kharjou d'autres. Donc tout le monde a compris que c'était... là, c'était un complot. C'est un complot contre moi, contre le parti, contre les libertés, contre toute action politique indépendante. C'est la criminalisation de l'action politique. Tout le monde sait que le Parti des Travailleurs n'a jamais soutenu la candidature de Bouteflika. Il a présenté ma candidature. Tout le monde sait
que le Parti des travailleurs a combattu les orientations telles la loi sur les hydrocarbures en 2005, l'accord d'association avec l'Union européenne. Et aujourd'hui encore, on revient, c'est à l'ordre du jour parce que c'est une catastrophe. Et on était les seuls. Tout le monde sait qu'on était les seuls à avoir combattu les privatisations. Sous Bouteflika, tout le monde sait que même sur la politique étrangère, nous étions le seul parti, par exemple, à nous démarquer de certaines positions. Le ministre des Affaires étrangères à un moment donné, parce que ce n'est pas conforme aux principes de notre pays. Sur le plan social, sur le plan démocratique, sur le plan des libertés, le Parti des travailleurs est un parti indépendant. Maintenant, ceux qui ne font pas de politique, ou là qui font semblant de ne pas comprendre, Malich, on va leur expliquer qu'un vrai parti, un parti sérieux, qui n'est pas un groupe de pression, nous ne sommes pas un groupe de pression, nous sommes un vrai parti avec une histoire. Avec une histoire de plusieurs décennies de lutte, un parti, il ne se contente pas des déclarations, des dénonciations. Il agit. Il peut agir. Il peut agir pour chercher des solutions. Nous nous sommes adressés au ministre, au premier ministre, à tous les responsables. Et nous n'étions pas les seuls. Des partis politiques qui étaient là. Ce n'était pas une situation révolutionnaire. Il était tout à fait normal qu'on s'adresse aux institutions. D'accord ? À partir du moment où s'est ouverte une situation révolutionnaire, la rupture s'est opérée. Bon, la situation a complètement changé, donc il fallait partir de là. Maintenant, moi je l'ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai rencontré tous les responsables, à leur demande. À leur demande, quelquefois à ma demande, pour déposer des dossiers, pour plaider, pour la cause, etc. Oui, je m'adressais à la présidence, oui, je m'adressais au gouvernement, oui, je m'adressais... C'est tout à fait normal dans mes cordes, comme responsable politique et comme député. Alors, il y a même parmi les gens qui ont osé s'attaquer à moi, des personnes qui m'avaient sollicité pour que je transmette leur doléance à la présidence de la République, ou bien au ministre de la Justice, ou bien au Premier ministre. Mais je ne les nommerai pas, parce que moi, je sais... Quand il y a révolution, il y a contre-révolution. Et ceux-là, ils s'accrochent de toutes leurs forces et ils essayent. En réalité, la politique du PT les a dérangés. Parce que c'est nous qui avons ouvert les horizons en précisant quelle est l'alternative, la vraie alternative dans cette situation, à savoir la parole au peuple. D'accord ? Et même ceux qui... Vous imaginez des gens qui sont du système, qui sont pour le statu quo, qui osent s'attaquer à moi. Qui osent s'attaquer à moi, passons maintenant. Je suis sorti après que la cour militaire ait fait tomber les deux chefs d'inculpation me concernant. Atteinte à l'autorité d'un chef militaire, chef d'une formation militaire, bon. Deuxièmement, donc participation à une opération visant à changer, etc. Moi, je crois au changement du système et du régime par la volonté du peuple, par la mobilisation populaire, et je combats pour cela. Il y a un processus révolutionnaire. Il est vraiment, en ce moment, il est suspendu à cause du Covid-19, la RELB, n'est-ce pas? Mais il n'est pas mort. Ce processus n'est pas mort. Voilà. Et comme toute révolution, on ne peut pas la tuer comme ça. Et donc, moi, je reste persuadé que l'issue, maintenant, c'est la parole au peuple. Cela étant dit, puisqu'on parle de complot, et puisqu'on parle de... Vous savez, on est en train de regarder ce qui se passe, hein. Les mêmes pratiques, les mêmes qui produisent les mêmes comportements, c'est-à-dire pratiques d'un soldat qui veut fonder une nouvelle classe politique, qui veut fonder une nouvelle société civile, et ben ça va produire davantage de clientélisme, davantage de courtisanerie, et c'est-à-dire c'est le système de parti unique qui essaye de se régénérer, d'accord ? Alors maintenant, un dernier mot sur cette histoire de complot. Là, la semaine dernière, donc, on a tous été sidérés en suivant les arrestations de très hauts gradés dans l'armée et dans la gendarmerie, accusés de haute trahison. Et puis, bien sûr, les affaires de haute trahison. C'est-à-dire que même l'ANP, elle est éclaboussée. Et donc, haute trahison, ça veut dire un complot contre le pays, contre l'État. Moi, je n'ai pas les éléments. Je ne peux pas me prononcer sur quoi que ce soit. Simplement, j'enregistre que même l'institution la plus importante, du point de vue de la nature de l'État et du système, aujourd'hui en Algérie, d'accord ? À savoir,
l'ANP, elle est touchée. Elle est touchée par les affaires aussi bien de la corruption et puis maintenant de haute trahison. C'est grave. C'est grave. C'est pour moi la preuve la plus éclatante que la seule issue conforme à la démocratie et la seule issue à même de sauvegarder notre pays pour qu'il ne plonge pas dans l'abîme, c'est le départ du système. C'est le départ du régime. Parce que c'est ce régime, c'est ce système qui ont produit cette décomposition à tous les niveaux, qui ont produit la prédation à grande échelle, la corruption, le clientélisme, qui ont produit la mafiotisation de l'économie, qui ont ruiné le pays, qui ont légalisé à travers le code des investissements, à travers le code des marchés passés, etc., à travers toutes les... qui ont mis en place tout un système pour siphonner les fonds publics, pour vider les caisses de l'État au profit d'une couche d'oligarques, l'oligarchie, hein, mais bien sûr qui est l'appendice est le prolongement des intérêts étrangers, des multinationales qui venaient ici pour piller et non pas pour investir réellement. Il faut retenir la partie des travailleurs, c'est un grand parti, et c'est des carnes villes ou qu'on est mis sur les villes, parce que au dofinar tas la soutien na solidarité des militants npti khdamen ghaf wiza hnoun massa wiza hnoun tla nta fi tim bar sou parti ashhal les députés gadan ashhal les élus tulna ghash tun mastaazib twalin magnas nadiya chwit mkhra joudi et tunes kamel zoug nerf ni point carte madame wiza hnoun ولا نرى دوتر ميليتون اي غار اش مي انشتاغين ولا اش انشتاغين غدا في مسالتك Non, les militants, les monadlins al-Hizb, les militants authentiques, les forces vives à l'intérieur du parti, qui nous mobilisé du premier jour jusqu'au dernier jour. Les wilayans tahoum, quelquefois nationalement quand ils viennent pour des réunions, mais il ne faut pas oublier que c'était une guerre qui a été déclarée. Wanaï Ben, c'est un complot contre le PT. Et non pas que Louis Ahnoun a participé dans un complot. Parce que, un, il y a des députés du parti qui ont été pris en charge par Nidam, par le système, par le régime. Ils ont été pris en charge. Ils ont violé les résolutions et les décisions du parti sur le terrain de la corruption, puisqu'ils ont, après avoir été d'accord avec la décision qu'on démissionne de l'Assemblée, la décision prise par le bureau politique entérinée à Kedetha al-Lujna al-Markaziya, dont ils étaient membres, après avoir exprimé leur accord, ils ont été détournés. C'est la pratique du système de parti unique, d'Aïman, comme ils ont fait à d'autres partis, Hardo. Hein? Donc sur le terrain, tu as la décomposition, tu as Daram, tu as les intérêts, les privilèges, etc. Et ceux-là, ils ont été instrumentalisés jusqu'à il n'y a pas longtemps, contre le parti, contre moi. Par qui ? Par des centres de décision, y compris au sein du ministère de l'Intérieur et d'autres, ils ont été utilisés jusqu'à maintenant. Et nous avons porté plainte, nous avons déposé des plaintes. Et nous allons poursuivre, bien sûr, cela. Donc, mais les députés qui sont restés fidèles, qui sont restés dans le parti, d'accord, ceux-là, ils étaient au centre de la mobilisation parce qu'en plus, c'était des dirigeants. Tahzibt, Djoudi, Abdelhamid Boubarla, Karim Labchri, etc. C'est le secrétariat. Il fallait que les militants voient le secrétariat du parti. Ce n'est pas des députés. C'est le noyau. Noyau dur, c'est le secrétariat. Il fallait qu'ils le voient chaque vendredi, malgré les difficultés. Mais les militants étaient là. Ils étaient partout à expliquer aux citoyens, à clarifier. Parce que c'était un rouleau compresseur qu'on a déchaîné contre nous. Le mensonge des chaînes de télévision et en dehors de Berber Télévision ou encore MLTV à partir de l'étranger ou encore ici quelques des médias YouTube ou là deux trois médias t'as les papiers des journaux qui ont résisté, tout le reste a été écrabouillé, toute la scène médiatique. Imaginez quand on déchaîne un tel rouleau compresseur. Et donc après, quand je suis sorti, oui, bien sûr, il y a des militants qui ont été terrorisés, qui ont été menacés dans leur emploi. Il y a ceux qui ont été menacés dans leur famille. Et bon, on n'a pas voulu en rajouter encore.
Et même après ma libération, il n'y a pas longtemps encore, hein, quand il y a des arrestations d'activistes, etc., nous avons un membre du bureau politique qui a été convoqué par la police parce qu'elle a publié, elle a partagé une photo d'une manifestation dans un rassemblement de femmes qui étaient tabassées. Elle a partagé. Il y a des activistes qui se font arrêter maintenant. La dualité, la politique duelle, elle est vraiment, c'est impossible de la comprendre, sauf à parler de contradictions. Donc pour dire que les pressions, mais elles, non, les pressions, elles n'ont pas cessé, parce que c'est le même système qui est en place. Il n'a pas changé. Les hommes ont changé, l'identité des personnes a changé, c'est le même système et c'est le même régime. D'accord. Et pardon, je termine là-dessus. Donc, et depuis que je suis sorti, dans la rue, je le répète, jusqu'à l'yom, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les jours, les messages de soutien, l'accueil à les citoyens, fabuleux. Et ils disaient, masdaqnahomch, on ne les a pas cru. Et quand il y a eu la loi sur les hydrocarbures, on a compris. Et on sait où allait ce ktouk. Tout le monde a compris, y compris les enjeux politiques les plus fins. Hadouk, fahmouhom. Et quel que soit le niveau, hein, qu'il soit cadre, qu'il soit simple travailleur, qu'il soit chômeur, qu'il soit cada, ils viennent me voir et me parler librement. Et cela, même ma famille l'a vécu, le parti l'a vécu, Jiouli Home. Vous imaginez, on a des adhésions là, en ce moment, par Facebook. Des jeunes, beaucoup de jeunes qui adhèrent. Et moi, quand je les entends dans la rue, vous ne pouvez pas imaginer quel sentiment ça me fait. Qu'est-ce que c'est Les médias, les kmtouhom, comme ils disent, ça veut dire, ça y est, ils ont été classe, travaillés, mais nous, on a compris. On sait ce qu'on a. D'accord. Et la preuve, moi, c'était une affaire politique. C'est pas une affaire, comme ils disent, maintenant, l'Aïsaba, vous savez, l'Aïsaba, hein. Et ça va, c'est une pieuvre. Attention, je vais faire tout la ville. Je vais faire une vidéo de Khaldrani, Rachid Nikaz, Alir Dérif, Dordnil. C'est la preuve que Mezel, le même système et les mêmes pratiques. Mezel, c'est la même chose. Oui, c'est les mêmes pratiques. Et la constitution de 2016 avait précisé, parmi les choses positives, qu'elle avait rétabli que la détention préventive, des situations exceptionnelles. Exceptionnelles. Et que la règle générale, c'est encore moins des journalistes. La dépénalisation de l'acte de presse, khlas, constitutionnalisé. Un journaliste, il trouve le habs. Il écrit quelque chose sur sa page, ou là, il partage, il trouve le habs. C'est vraiment la criminalisation de l'acte de presse, la criminalisation de la liberté d'opinion, qui m'abdèle avec moi la criminalisation de l'action politique. De l'action, de la réflexion, de la pensée, de l'action politique, d'accord? Et on le voit d'ailleurs, il y a un danger sur le multipartisme, il y a un danger sur la démocratie politique, c'est sérieux. Et, mais en même temps, c'est contradictoire, parce qu'il y a des libérations, même si c'est des sursis, etc., mais il y a quand, ou la déliberté provisoire, mais il y a quand même des libérations. On a l'impression qu'il y a comme une bagarre comme ça, hein, comme il y a ceux qui veulent ouvrir un peu, apaiser, il y a ceux qui par ailleurs... font rentrer, c'est un mouvement perpétuel. Maintenant, sur la détention provisoire, il y a plus que des abus. Les juges l'ont dit, les avocats, ils ont même fait des rassemblements pour dénoncer cela, d'accord? Donc il y a abus, vraiment abus, et belle Roubizef. Et puis, quand on dit abus, ça veut dire que par exemple, Khalida Toumi, elle n'est pas poursuivie pour crime économique. Elle est poursuivie pour délit de gestion. Le président Tebboune a parlé du délit de gestion. Libéo par courrier, par lettre anonyme. Et il a dit à partir de maintenant, c'est terminé. Et bien Khalida Toumi, elle rentre dans ce cadre-là. Ce n'est pas une prédatrice, mais qu'un conflit d'intérêts.
elle n'est pas poursuivie pour avoir volé de l'argent ou pour avoir donné des marchés. Non, non, c'est délit de gestion et elle était couverte à chaque fois par des décisions du Conseil des ministres ou par etc. Et ses avocats, ils ont relevé qu'elle aurait dû sortir le 4 juillet parce que la détention préventive, Taha, qui a été renouvelée une fois, reste le 4 juillet. Eh bien non, elle est encore en prison. Et bon, le juge explique qu'il a besoin de faire des enquêtes supplémentaires et les avocats répondent toutes les enquêtes, mais elle doit sortir de prison parce qu'elle est en prison de manière illégale maintenant. Et les avocats ont décidé de saisir le président de la République pour, comme garant des libertés démocratiques. Khaled Darani, Abdelkrim Zghilesh, c'est des journalistes. Oui, c'est des journalistes et c'est un... C'est des journalistes, Saïd Boudour, Non, Khaled Darani en plus, cette tendance à vouloir salir l'honneur des familles. En 2015, déjà le système, le pouvoir à l'époque, dans l'offensive qu'ils avaient dirigée contre moi et contre le parti, ils avaient tenté de faire croire via une chaîne de télévision Maroufa, j'étais multimilliardaire, que la moitié de la ville de Annaba m'appartenait, sans compter je ne sais quelle richesse. D'ailleurs, les richesses, je m'engage ici devant l'opinion nationale et internationale que je lui cède Koulous. Il a ça, les hôtels, les je ne sais pas quoi, le patrimoine. Khaled Darami, Dieu, Halal, Mbarak Ali. Voilà. Khaled Darami, Ammou Shahid, Bébé Moujahid, authentique. Ils osent tenter de salir. En plus, sa famille, de le salir lui, alors que c'est un patriote, c'est un jeune journaliste connu. Et moi, je l'ai connu, très jeune journaliste, et après qu'il est allé sur TV, il m'avait invité plusieurs fois, un journaliste de talent, très professionnel, très sérieux. Les autres aussi, radio web ou bien radio... Mais on le voit, mais là maintenant, c'est, franchement, c'est-à-dire que... Il y a une sorte de chape de plomb qu'on est en train de fermer sur l'espace d'expression de manière générale. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est cela la Deuxième République. C'est cela la République démocratique que le président a promise pendant sa campagne électorale. Ça, c'est plutôt la négation de la démocratie, la négation des libertés. Alors, moi, je le dis, je joins ma voix à celle de tous les militants, tous les défenseurs des droits de l'homme, des avocats, etc. Liberté immédiate pour Khaled Darani, liberté et libération immédiate pour tous les détenus d'opinion, hein, qu'ils aient été arrêtés avant les élections du 12 décembre ou après. Parce qu'il y a ceux, je ne comprends pas personnellement, je ne comprends pas pourquoi... des personnes qui ont été arrêtées avant le 12 décembre, c'est-à-dire que le président Tebboune n'était pas encore en poste, pourquoi ils sont toujours là alors que ce sont des détenus politiques et des détenus d'opinion? Par exemple, Ali Khdiri, quel crime il a commis, Ali Khdiri? Quel crime? Et en plus, maintenant, il y a Covid à l'intérieur des prisons. Il y a Covid et vous avez ceux qui meurent, etc. Alors qu'il y a des pays comme l'Iran où les détenus de droit commun ont été libérés. Pour qu'ils ne soient pas touchés par Covid, parce que l'État n'est pas en mesure de les protéger. Donc ça, c'est une dérive dangereuse qui doit absolument s'arrêter. Il faut que le Covid, c'est la gestion politique, économique et sociale via la période du Covid, le système. Oui. En tout cas, le Covid a levé le voile sur l'état de délabrement de l'économie, du système, de l'état, du secteur de la santé dans notre pays. Et que, en fait, le gouvernement a réagi par la panique, par défaut, le hala, ce qu'on dit le hala, et on voit bien qu'il n'a rien maîtrisé jusqu'à maintenant. Al-Khatar al-Isqatat, les impacts sont terribles. Déjà, prenons Covid lui-même, personnel à la santé. Les lions, jusqu'à aujourd'hui, il y a des protestations, des mobilisations, parce qu'il y a un manque de moyens. Et ils disent que si on nous avait donné les moyens, il n'y aurait pas eu autant de morts, autant de décès, autant de médecins et d'infirmiers atteints. L'état du secteur, les hôpitaux, le mechabba, c'est-à-dire, il n'y a pas de lit. La saturation, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de moyens.
Les tests PCR, les tacharou bzaf, et même il n'y a pas en assez grand nombre. Moi, je lis dans la presse, moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas médecin, je lis que j'avoue des respirateurs, j'avoue, etc., des moyens, mais ils ne les ont pas encore installés. Fait la roite, ils ne les ont pas installés ici. Ça veut dire qu'il y a des cafouillages à tous les niveaux. Le ministre de la Santé a reconnu à l'Assemblée nationale Billy, on n'a pas de système de santé. Mais qu'est-ce que Mandoma Sahia? Il a dit. En fait, que Sroha le Mandoma Sahia. Mais en réalité, on avait Mandoma Sahia quand la baisse biha. OK? Mais il y a la dernière loi sur la santé, dans le gouvernement d'Abou Tfleqa, qui est une loi scélérate, jaïra. Les baisse tkassar kulchi, tkassar la gratuité des soins, tkassar le système de santé, et elle livre le système de santé à la prédation. D'accord? Et même la prévention, les brates dans la loi, eh bien, Madertesh, d'où là? Parce que la prévention, c'est quoi? Ce sont les bavettes, c'est le gel, ce sont les tests, d'abord et avant tout, ce sont les tests PCR. Ça n'a pas été mis à la disposition. C'est vrai qu'il y a quelques efforts, on le voit là, hein, après 5 mois. Il y a quelques efforts, mais ça reste en deçà des besoins. Et c'est de manière assez confuse. Maintenant, les impacts, ça d'un côté, les impacts sur les citoyens. Par exemple, vous avez des médecins dans certaines wilayas, il y a des hôpitaux qui ne logent pas les médecins dans des hôtels. Ils rentrent chez eux et donc ils contaminent leur famille. Hadi mazal moujouda, il arrête l'un. D'accord. Voilà. Maintenant, le déconfinement, il se fait d'une manière aussi. Il y a mais qu'un transport. On a vu le secteur des travaux publics. Ou avec le bâtiment, 80% man qadrouch, parce qu'on ne peut pas héberger, parce qu'on ne peut pas nourrir, il n'y a pas la restauration, les travailleurs. Donc ça veut dire des licenciements massifs. Sur le plan social, c'est une catastrophe. Les salaires impayés, selon le ministère du Travail, une étude d'Erouha pour 3600 entreprises, barque seulement, ça veut dire très très petit, très limité. 50 000 postes d'emploi perdus, 50 000 emplois, 6000. 200 000 travailleurs sans salaire, 180 000 retardent les salaires. Et c'est très limité, alors que dans le secteur du... En fait, tous les secteurs ont été touchés, d'accord? Mais quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Bon, oui, pour les pêcheurs, pour les petits commerçants, pour Ada, mais c'est dans des cafouillages qui n'en finissent pas, parce qu'ils mettent le transport entre les wilayas. Les travailleurs qui travaillent hors wilaya, comment ils vont faire? Ils perdent leurs emplois s'ils ne rejoignent pas. D'accord? Et puis, il y a tous les impacts en chaîne. D'accord? Donc ça, il y a cette coupure entre le sud et le nord. Il y a cette coupure qui n'a pas encore été prise en charge. Bon, il y a les questions d'aide au secteur du tourisme, etc. Il y a toute décision qui peut un peu aider. C'est bon, c'est à prendre. Mais dans l'ensemble, la situation économique, le gouvernement et le président de la République ont été obligés de reconnaître que la situation est grave, que sur le plan sanitaire, la situation est grave, vu l'état des hôpitaux, vu le manque de moyens. Et qu'il faut déjà qu'ils reconnaissent. Nous avons dit que le gouvernement est responsable du démantèlement dans le passé. Makulnesh, elle est responsable du pillage dans le passé. Makulnesh, elle est responsable de la prédation des lois qui sont antinationales dans le passé. Walakin lioum, quand on entend le ministre de la prospective Jif le Khanet Rasmi à la chaîne 3, où il dit il faut déboulonner, hein, dans ces termes. Ça veut dire un fikkoun, ou les boulons, le secteur public. Oui, à la privatisation, il faut qu'on pose la question de la propriété. La propriété, le transfert à la propriété, le milkiya. Mais le secteur public, il est propriété de la nation, propriété de la collectivité nationale. Ça veut dire, c'est le même système, c'est les mêmes, la politique, au début des années 2000, t'as les privatisations à grande échelle qui ont liquidé des centaines et des centaines d'entreprises et des centaines de milliers d'emplois. Des centaines de milliers, et qui ont mis à la retraite aussi plus de 400 000 fonctionnaires et travailleurs, et qui a provoqué la crise, on a la CNR, on a la Caisse de Sécurité Sociale. Et donc, ça veut dire, c'est les mêmes politiques qu'on va approfondir, c'est ça. Nefsissiyasset, le slatna, l'abîme, l'incident, l'aide, la situation désastreuse. On a le truc auquel, à leur partenariat public-privé, pas de différence entre le public et le privé.
je suppose que aucune famille algérienne ne t'hesseb oulad jiranha qui chroul ouladha sur le même pied d'égalité. D'accord ? On a entendu le ministre, un ministre qui dit Billy, même le secteur des maquettes, il n'y a pas de secteur stratégique, c'est grave. Bon, il y en a d'autres qui ont dit on a défini plus ou moins les secteurs stratégiques. Et moi, j'ai suivi la conférence d'hier sur le plan économique pour chercher est-ce qu'ils vont ramener quelque chose par rapport à la crise d'Alioum ? Comment on va s'en sortir ? Ben non, ce qu'ils se projettent de faire, d'abord le cadre lui-même, c'est les travailleurs vont être vraiment de prom sur l'hôtel Ntal Kda, c'est l'ouverture. Tous azimuts, l'ouverture sur le plan au privé et à l'international. Mais on a déjà donné, justement avec l'accord d'association, on a donné mal les privatisations, on a donné mal le partenariat qui est vraiment un pillage étranger de nos richesses. Et l'Ioum, il n'y a pas de gaz, il y a le problème de l'oxygène dans les hôpitaux. Ninja, le problème de l'oxygène. Est-ce que Hed Hokoma, est-ce que le président Tebboune va avoir le courage et l'audace de renationaliser l'Inde, l'entreprise qui a pris 66% de l'ENGI, l'entreprise internationale qui était, elle était bénéficiaire en 2005, elle exportait en Afrique et elle se préparait à tsaddar l'Europa. Eh bien, le wazir de la Sina'a à ce moment-là, Abdelhamid Temmar, a été tenu à 66% des parts de la multinationale allemande, l'Ind, qui a été tenu à l'Intège, où l'Ind est dépendant dès 2007, deux ans plus tard. William, on a des malades de Covid qui meurent parce que maintenant, c'est l'oxygène. Allah, on a fait un peu de Noël, un peu de Noël, comme ça, nous avons fait un peu de Noël. أزول مرف لكم في الأول سحرش شو سلسلة تقول تملي ثم زلاكم مسا الوزاح نونا ندوك حرش شو سين والثغرد مستيدا فيني سفران في تسعة وجر نثموا من الحفص تسعة وجر إن الحفص إيد مسلي نتساف ندفانين مسلي دا في جاب ما في كيف في كان أول أفوس المعاونة ثغرد مسيدا في الميليتون وشاف اللي ميليتون اللي مي مغناسن وشافر بيتي شافر إخدام منا كوف نتساف مسيدا نين في محفص وتس أنت مسال وقان كمل كان فض مسلاي غافوس دول شغال ذي عندي شو دين أنفاف كوفيد 19 ثمانة زيرت مسلاي ده في مسات نتسافيت البوليتيك زمان كمل حريشة جنيفان عندي شو دين ثلاث مساع كنت متي سوسيال ولي لشو إيجي أدين قلت le gouvernement et même le président بصفة عليهم ils ont reconnu بلي la situation elle est très grave la situation sanitaire la situation socio-économique d'accord Mais jusqu'à maintenant, Anna personnellement, mais elle me chiffre quelles sont les nouvelles solutions Hadouma qui sont préconisées. Nisma économie nouvelle, Nisma les déclarations et j'ai lu, j'ai pas trouvé des solutions qui répondent à la gravité de la situation, mais qui préservent en même temps les acquis, t'as l'indépendance et qui préservent les acquis, t'as les travailleurs, t'as les larges couches qui ouvrent des perspectives, t'as l'emploi ou là. Parce que l'Ioum, les questions socio-économiques sont les questions essentielles. Hadouma l'urgence. L'économie, ou l'ijtimaïa, il y a, ou la oui, ça, l'Ioum, à l'Esh. Le 22 février 2019, c'était la question, non au cinquième mandat, le départ du système. Covid-19 a obligé, a contraint donc, les citoyens à ne pas manifester parce qu'il y avait les mesures sanitaires, etc. Mais l'Ioum, on en chauffe, les grèves partout, les grèves, à commencer par le secteur de la santé, alors, les moyens, les grèves les travailleurs parce que les salaires ne sont pas payés, la situation sociale, le barra quand on sort, le harga qui est revenu en force, l'insécurité, les rejettes, l'insécurité parce qu'il y a un effondrement social. Il y a un effondrement social, ça veut dire que le contenu social, le processus révolutionnaire, si le gouvernement il a l'intention de toucher au secteur public, s'il a l'intention, qui m'a dit, le représentant, le patronat,
Le représentant de la patronat, Sbah, la radio, sur les ondes de la chaîne 3, il coule, il faut revoir le code des investissements, le code des marchés, les Hadouma déjà, il donnait kulch l'oligarchie et les étrangers. Kulch, tout. Il donnait tout. Il liquidait le secteur public, il liquidait tous les acquis de l'indépendance. Ça veut dire, ça ne leur suffit pas, ils veulent plus. Au Qal, il faut aussi revoir le code du travail. Il faut revoir le code du travail pour faciliter l'acte d'investir. Et en même temps, ils demandent une révision fiscale. Ça veut dire que c'est exactement la même chose, Sabre. Donc, les impôts, on a les impôts, le code du travail, ça veut dire quoi? C'est aussi la déréglementation, la flexibilité, maintenant, les normes du travail, c'est l'exploitation des travailleurs à outrance. C'est un vieux projet, mais les travailleurs ont résisté, les syndicats, il a été à chaque fois différé. L'IOM, le gouvernement, s'il a l'intention, il met le secteur public, comme on a entendu les déclarations. Oui, mais les quelques acquis, les mazels, au lieu de rétablir, les acquis, les rachous, comme la retraite anticipée, les droits qui ont été saccagés par les précédents gouvernements, il faut quand même les travailleurs ils en silence. Déjà, il y a les grèves qui éclatent partout, il y a le problème d'Alma, il y a des soulèvements des populations d'Alma à l'échelle nationale, le sud, l'est, l'ouest, le centre, partout. Alors ça, il faut Srana plus Covid. Covid-19, les mesures d'hygiène, mais ils ne peuvent même pas être sur le roi. Donc, c'est le stress sur tous les plans, la flambée des prix, le pouvoir d'achat, l'état rajah, je vais faire les courses, et je discute avec les commerçants. La consommation est rajah. Les gens n'ont pas les moyens. Je vois des jeunes sur le marché, les gens qui ont fait leur marché, ils ont fait leur marché. Ils disent, on est dans l'illégalité. Il y a l'alternative, il y a des emplois. Alors maintenant, on est en train d'écouter. Alors, micro-entreprise, l'ANSEJ, etc., les politiques, les DERUF, et le résultat, plus les start-up. Ça veut dire qu'on fasse d'abord, on va commencer par faire des bilans, n'est-ce pas? Le Moufraud, il dérou des bilans, les politiques, il dérou, avant de passer à autre chose, pour qu'on sache s'il faut continuer ou l'arrêter. Parce que, Hedlebled, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes, bien sûr, sociaux, il y a l'accumulation cool. Et c'est ça qui a fait exploser le processus révolutionnaire le 22 février 2019, d'accord? Donc, maintenant, râle celui qui pense que c'est terminé, que maintenant tout va rentrer dans l'ordre, râle, parce que les problèmes n'ont pas été réglés jusqu'à maintenant. Au contraire, les arrestations, c'est de la provocation, ça alimente la colère, la misère s'installe, la mendicité, il y a encore un an, peut-être des salariés, mais comme les salaires ne sont pas versés, le tissu social, il est en train de s'effilocher. Et c'est extrêmement dangereux, même sur le plan de la sécurité nationale. Mais ça veut dire que les liens positifs entre les citoyens et l'État sont en rupture en permanence. D'accord? Donc, c'est pour mettre en garde contre toute politique qui... serait vécu par les citoyens comme une provocation supplémentaire alors que déjà, ils n'arrivent plus lorsque des fonctionnaires ne sont pas payés, même des contractuels en 2018, lorsque le secteur public, sans compter le secteur privé, macache, parce qu'il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de travail, tous les secteurs ont été touchés. La question économique et la question sociale sont l'urgence de l'heure. Mais pas dans le sens du démantèlement et du déboulonnage qui maqal le ministre avec l'ismanaf la radio dans le secteur public, non, parce que ça c'est une provocation très très lourde. C'est au contraire comment préserver les acquis sur lesquels on peut parler d'une véritable relance, parce que là si on prend les mêmes politiques avec de nouvelles personnes. Mais il n'y a pas une nouvelle économie, il y a un approfondissement des politiques
qui ont échoué totalement et qui ont fait naître de la prédation, de la rapine, à toutes les échelles. Parce que les bonnes intentions, d'accord, c'est génial, la lutte contre la corruption, etc., mais il y a le terrain. Quand on fait les mêmes politiques, quand on a le même cadre, les mêmes pratiques, eh bien, ça donne les mêmes résultats. D'accord ? Ça, d'un côté. La question est posée sur les luttes syndicales, en Algérie, voilà. Bon, depuis l'indépendance, la question de l'indépendance du syndicat est à l'ordre du jour. C'est un enjeu majeur. Le syndicat est mort en Algérie. Quand M. Louisa Hanoun se défendait un scam de l'UJTIA, c'est un syndicat autonome, mais il y a un syndicat qui se défend la lutte syndicale de l'UJTIA. Oui. D'abord, l'UJTIA, c'est le syndicat, c'est l'organisation historique, quoi. On n'y peut rien, Hagda. هي المنظمة التاريخية اللي عندها علاقة مع الثورة التحريرية 1956 etc. عيسى تيدير وهذا سيتانا كي مكسب tous les travailleurs tout le peuple algérien c'est-à-dire comme maintenant les politiques نتاع les directions c'est autre chose حاجة واحدة أخرى les directions elles peuvent adopter une politique que les travailleurs peuvent dans laquelle les travailleurs محسوب يعجبهم الحل elle peut être conforme aux intérêts des travailleurs comme elle peut être contraire aux intérêts des travailleurs, d'accord ? Et le parti des travailleurs, il part dès et même toujours des intérêts des travailleurs, ok ? L'indépendance de l'UGTA a toujours été un enjeu, fait le bled, depuis 1962, d'accord ? L'indépendance à l'égard du système de parti unique, ça a toujours été un combat. L'UOM, partout dans le monde, fait l'alm kol, on voit qu'il y a des luttes, il y a des mobilisations, contre les systèmes, contre les régimes, contre les gouvernements, contre leurs politiques, contre leur gestion. T'as Covid-19, à commencer par l'Europe, les États-Unis, partout, en Amérique latine, partout. Mais ça se passe dans les syndicats à la base. Ça se passe en dehors des partis. En dehors des partis, c'est des mouvements qui, comme chez nous en 2019, en février 19, c'est pas les partis qui ont encadré ou qui ont appelé, c'est pas les syndicats, c'est pas des organisations traditionnelles, c'est un mouvement spontané. Et là, aujourd'hui, il y a des grèves à l'appel de centrales, de syndicats UGTA comme des syndicats autonomes. La politique du parti des travailleurs, c'est d'abord le droit à l'organisation syndicale. Nous l'avons défendu en Algérie et dans le monde. Et dans le monde, nous avons participé dans le cadre de l'entente à une campagne internationale pour le droit à l'organisation syndicale en toute indépendance pour les conventions de l'OIT qui protègent les droits syndicaux, d'accord ? Et que ce soit dans notre pays ou bien au Pakistan, en Russie, en Chine, partout, partout, dans les pays où il y a des atteintes aux libertés syndicales. Nous avons porté la voix des syndicats autonomes, y compris dans l'OIT, via nos amis dans le cadre de l'entente. Nous avons des liens avec les syndicats autonomes et notre politique, ça a toujours été l'unité des travailleurs à la base, dans la lutte. Ça veut dire, ma'lish, n'tarak, par exemple, le flux GTA, où on a fait un syndicat autonome, d'accord, les directions ne sont pas d'accord, mais le taht, on est dans la même entreprise, on doit faire grève, il faut qu'on se mette d'accord en tant que travailleur. Mon syndicat ou syndicat dialogue, ils se mettent d'accord pour qu'on constitue la force, pour gagner. Nous avons réussi à réaliser l'unité. Par exemple, quand il y a eu une grève à l'PNC, personnel commercial navigant, il y a quelques années de cela, syndicats autonomes et section syndicale UGTA ont réalisé l'unité. Et nous avons dans différents secteurs, par exemple la grève de l'éducation, parce que les militants du Parti des travailleurs, il y en a qui sont à l'UGTA, il y en a qui sont dans les syndicats autonomes. Dans différents syndicats autonomes, dans l'éducation nationale, dans la formation professionnelle, ils sont dans tous les syndicats. Et donc, dans le parti, dans la commission ouvrière et syndicale du parti, on leur apprend à réaliser l'unité dans la lutte, dans le respect de l'appartenance syndicale. D'accord ? Quand il y a eu les grèves, par exemple, des médecins, des praticiens, il y a eu des médecins, il y a de cela 2 ans, quand il y a eu les grèves, les enseignants, c'était les députés du Parti des travailleurs et d'aucun autre parti qui allait pour protéger les syndicalistes, pour les faire sortir des commissariats, pour les faire descendre des bus. Parce que nous croyons en
l'indépendance des syndicats et nous sommes pour le droit de manifester. Nous sommes pour le droit à la manifestation. Vous savez, j'ai été député pourtant. Je suis sorti manifester pour l'Irak en 2003. J'ai été tabassé par la police. Je suis sorti manifester pour la Palestine, même pas pour des droits algériens. J'ai été tabassé aussi, alors que j'étais député. Les photos ont fait le tour du monde, d'accord ? Et pour nous, le droit de manifester, il est essentiel. Il a été repris par le peuple algérien en 2019. À cause du Covid, il a été reconfiné, reconfisqué, d'accord ? Mais partout dans le monde, nous le voyons. Confinement ou pas, lorsque le moussil haq l'adam, lorsque les travailleurs et la jeunesse se trouvent acculés par les politiques antisociales des gouvernements qui instrumentalisent et mettent à profit avec le Covid pour imposer des limites, les libertés démocratiques, pour imposer des régressions socio-économiques, la politique d'austérité, et ben les travailleurs ils font la grève, ils se rassemblent, ils sortent. Et les jeunes font la même chose, et les élus, et les agriculteurs. Donc, pour dire que le droit de manifester, c'est un droit qui est constitutionnel, que le peuple algérien a repris, il s'est réapproprié le droit. Donc, ce n'est pas à nous, les travailleurs à le faire, mais on le voit, ils font des rassemblements, la population, des rassemblements, des mobilisations, parce que la situation sociale, elle est désastreuse, elle est dangereuse. La misère, raïhna dorka, et c'est pour ça que je le répète, avant tout la question sociale, le pain, le khobz, c'est le pain, c'est la révolution algérienne, le pain, la paix, la terre et la liberté. Ça veut dire le khobz, ça veut dire le travail, ça veut dire combattre le chômage, pas avec des phrases creuses, pas avec la privatisation, parce que la privatisation, ce sont des centaines de milliers d'emplois, les roho. On l'a vécu, tu as le plan d'ajustement structurel, tu as l'FMI, 1500 entreprises publiques qui ont été liquidées, 1 200 000 emplois dans les années 90. Ombad Abdelhamid Temar, les centaines d'entreprises fermées, ce sont plus de 400 000 emplois aussi, les Rahou. Et à chaque fois, c'est une hécatombe et c'est le recul de la production. Alors oui, on n'est pas contre le privé. Le privé complète, c'est complémentaire avec le public. Mais on n'est pas censé, c'est-à-dire vouloir reproduire les mêmes erreurs sous un jargon différent, ça veut dire que ça serait criminel pour le pays. Alors, je vais vous dire que la politique est une petite politique qui vit sur le PAD, l'UCP, le FFS, le RCD, le MDS, la Ligue des droits de l'homme, plusieurs syndicats qui viennent vers le PAD, il y a beaucoup de rencontres. Et même si tu vois, il va s'agir le PAD, il menace le PAD de s'agir, il revient les problèmes. Non, le PAD, l'alternative démocratique de l'Algérie. Oui, alors le PAD, oui, le PAD, c'est un regroupement. Ce n'est pas une organisation, c'est un regroupement de partis. Et plus le PST, Vanilla. Oui, oui, le PST, oui, bien sûr. Hazeb, Siyasiya, Mekens Binetha, Hazeb Yeminiya, ou la Hazeb Rishaïya, ou la Kain Hazeb Taliasar, Hazeb Tal Wasat, d'accord. Et donc des partis de la gauche, des partis de gauche, des partis du centre. Voilà, mais il n'y a pas de parti de droite, de parti réactionnaire ou là-dedans. C'est-à-dire, c'est des partis, les Hazeb ou Tandimet ou Anouchata, Monadlin aussi, des intellectuels, qui ont soutenu sérieusement et activement Thawara, le processus révolutionnaire du 22, qui ont cru, Belli, Nedam Lazmerouh, ils ont cru en la force et en ses objectifs, la révolution, mais elle, ils croient que la solution, c'est le départ de le système. Après, ce sont des partis, ce sont des activistes, des militants, des intellectuels. Il y a des nuances, il y a des choses sur lesquelles on se met d'accord, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, c'est normal. C'est le pluralisme politique. On n'a pas, on s'est pas mis ensemble pour créer un nouveau parti, pour être dans une idéologie commune. Non, il y a différences d'appréciation. Il peut y avoir même des divergences. Et alors, on cherche les dénominateurs communs. Ça se produit partout dans le monde quand il y a des situations, soit de crise majeure, soit des situations pré-révolutionnaires, ma qabl thawriya, ou même des questions internationales.
des questions internationales. Alors, Ahzab, nous sommes tlaqas. Nous tlaqina ma Ahzab. Oui, sur la question de la paix, sur la question de la défense de la Palestine, sur la question de l'Irak, et à l'international aussi. On marche avec des syndicats, des partis démocratiques, des partis socialistes, des partis nationalistes, comme par exemple le FPLP palestinien, comme les organisations pour l'indépendance à la Guadeloupe, ou à la Martinique, ou à les dernières colonies françaises. Dans le cadre de l'entente, on a des relations. Ça veut dire des organisations, on a les travailleurs, on a la jeunesse, on a les couches populaires, qui sont pour les indépendances nationales, pour la souveraineté des nations, qui sont contre l'impérialisme, contre les ingérences, contre les guerres d'occupation, et sur le plan national, on peut se mettre d'accord avec un parti pour faire quelque chose avec. C'est limité dans le temps, d'accord? Là, c'est limité dans le temps. C'est en rapport avec le processus révolutionnaire. Le jour où la révolution c'est sûr que le cadre il va disparaître, d'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il est ciblé. On l'a remarqué que les partis qui sont dedans, ils sont ciblés. Et que même Khaled Darani, et c'est une aberration, c'est un chiffre à dire, même bien l'as-il à l'étorahat alir, قال, « Ouais, je vais traiter le PAD. » قال لهم انا غطيت في الباد فيه احزاب عندها الاعتماد ويعني تنشط بكل في الاطار القانوني معتمده يعني عادي رحت نغطي نشاط سياسي هو خالد درارني يعاقب وهو في السجن بسبب العمل تاعو المهنه تاعو الصحفي كما انا كنت في السجن بسبب العمل تاعي النشاط تاعي السياسي يعني تجريم للعمل المهني تجريم للعمل السياسي وهذا يعني انحراف ومنعطف خطير جدا دونك الباد شفناه انه مستهدف لانه هناك ضغوطات تتمارس على الاحزاب اللي هي الداخل اللي هي تنشط فيه بينما احنا سجلنا في الايام الاخيره كاين هذه المبادرات على الاحزاب هذه والجمعيات والنقابه على القضاة اللي راح تلاقات اللي خداو المبادرات على الاصلاح السياسي معناتها هذوما سافدير عندهم توجه سياسي هما يشوفوا باللي يمكن اصلاح النظام مازال يمكن اصلاح النظام هذا تصور سياسي هذا التصور تاعهم احنا نشوف مع الاغلبيه نتاع الشعب اللي خرجت في 22 فبراير 2019 انه هذا النظام ما عادش قابل للاصلاح، ما عادش قابل للتصويب، ما عادش قابل للتصحيح، حنا كحزب حتى 2009-2010 درنا حملات جمعنا لا ديغنييغ فوا في اون بيتيسيون 1,300,000 توقيع. وتوجهنا لعبد العزيز بوتفليقه ونطالب باصلاحات سياسيه عميقه، ونقولوا له رجع الكلمه للشعب باش هو يخير المؤسسات باش نخرجوا من نظام الحزب الواحد، جوسكا 2010 فوا 2011 ومن بعد خلاص. شفنا بالانتخابات الشرعيه تاع 2012 باللي نظام فاسد سي تيرميني وما يقدر ينتج غير الفساد وغير التزوير تاع الانتخابات وغير مصادره السياده الشعبيه ايكو دونك درك لازم نروحوا للقطيعه للقطيعه دايوغ حنا ومن بعد ان 2014 اي ان 2017 سيتي القطيعه 2014 حنا الشعار تاعنا تاع لي زيليكسيون بريزيدونسييل عندما ترشحت سي للقطيعه بور لا روبتور En rupture, c'est Shahar al-Markazi ta al-Hamla. Et en 2017, c'est Kafa, Kafa al-An, Dayn, Dayn Tora. Et après, بكل لهجات, بالشاوية, بالمزابية, حطينا كلش بالعنبية, بالجيرية, يزي, يزي درك, Kafa al-An, باركا, حطيناها بكل اللهجات, بالأمازيغية وبالعربية, pour dire ça suffit, هذا النظام والسياسات نتاعو. En 2017, et bien sûr, on a été. اللي يقول لك حزب العمال واذا حنا تمشي مع ما كانش حزب تعاقب كما تعاقب حزب العمال اون 2015 لورسكو افيك لي 19 هذوك لا ليتر دي 19 طلبنا نشوفوا بوتفليقه باش نقولوا له يا ودي البلاد رايحه للواد السياسه اللي تبقوا فيها اون فو سور بلي سياستك هذه باسكو سي لو ديزاستر سور البلان ايكونوميك سوسيال اون برون دي ديسيجن باسمك اون فو سور بلي باسمك يا اخي يا يو هذيك لو كومبلو نتاع السلطة مع لي زوم دافير مع لوليغارشي مع لافالان مع ليبوك بوشوارب مع دي مينيستر مع دي ديبوتي اوسي مع لو جي تي ا لا ديريكسيون دو لو جي تي ا كونتر البارتي دي ترافايور كونتر ما بيرسون حبوا يديروا كو ديتا داخل الحزب في القيادة تاع الحزب حبوا ايزون امبوزي او كادر سانديكو تاعنا اللي كانوا في لا ديريكسيون دو لو جي تي ا انهم يخرجوا من الحزب يخرجوا سينو يبيردي لوغ
leur fonction comme dirigeants syndicaux. Ils ont été obligés à sortir de l'Hizb. Je ne dis pas que c'est juste ou pas juste, mais c'est l'effet. À l'APN, ils ont tenté, ils ont utilisé tous les relais contre eux. C'était d'une extrême violence. Et ils ont sanctionné Zohra Drif Betat, Nhatm Sena. Et professeur Aberkan, qui était le maire de Aksantena, et en même temps professeur de médecine, il était le directeur de la recherche, l'association de recherche, il était notre représentant même à l'OMS, comme un malpropre, parce qu'il était signataire. Les enfants de Zohra Drif, même Houma Messilkouch, même ses enfants. Et bien sûr, tout ça, c'est resté même après. Et d'une certaine manière, la haine à notre égard, Bqat, jusqu'à il y a pas longtemps. Donc pour dire que les pratiques Hadouma ta système tu as deux poids et deux mesures, d'accord, tu as deux poids et deux mesures, et il y a comme une volonté de liquider les partis les ont une histoire, les ont des traditions, les ont des etc. Parce que le PT c'est pas simplement 40 ans de lutte ou là, c'est une histoire qui est très ancienne. La terre de l'FFS ou la terre d'Hadouma, les partis qui sont dedans, même le PST, c'est minimum 30 ans. Minimum 30 ans de lutte avec des normes, avec des normes, t'as la démocratie, avec une aura, avec des petits dédettes, des prolongements dans la société reconnue en tant que telle. D'accord. Donc, juste, pardon, je conclue. Donc, ce n'est pas normal. Lorsque une initiative, elle marche avec un système, ça veut dire on va réformer le système, elle dit qu'elle a le droit d'exister, et lorsque c'est un regroupement, mais ce n'est pas un regroupement contre la nation, ni contre l'État algérien, c'est un regroupement pour porteur d'une alternative démocratique. Une alternative, c'est un point de vue politique. Un point de vue dans lequel il y a ceux qui se prononcent pour une transition, c'est-à-dire une transition vers une période transitoire, et puis on est d'accord pour un processus constituant. Nous, on pense que le processus constituant, où est la transition? Mais c'est un débat qui devrait avoir lieu dans la société algérienne. Pourquoi criminaliser les points de vue politiques? Ça, l'État qui procède de la sorte, ou là, le régime qui procède de la sorte, il montre qu'il est très fragile. Il a peur de son ombre, il a peur de tout. هذا نوال ما فيك تصند الوقف يفدو بين المسليد غف مسات ليز اسوسياسيون تمون الجزائرك ولون يوروبيان عندا شحال هادي فلا كونفونسيون ارتورا التصبو قد نشو دي نبو غاش ما يقح سي تمثال تاكي اش هذا نبات مسال تاكي en 2002 lorsque هذايا l'accord a été fait lorsque le gouvernement l'avait signé l'avait passé on est le Hizb al-Oumal كان الحزب الوحيد on était le seul parti à s'opposer, mais avec force, on a démontré la désertification industrielle et agricole et dans tous les domaines. En 2005, le 14 mars, lorsque il a été présenté à l'APN pour être ratifié, on était qu'on a le Hizb al-Wahid qui a démontré que c'est une catastrophe pour le pays. Ça va ouvrir la voie au démantèlement. Le peu qu'on avait encore gardé hein, comme tissu industriel et agricole. Et d'ailleurs, le même jour, le 14 mars, quand il a été ratifié, il a été adopté par la majorité à l'Assemblée, sauf nous, eh bien, le soir même, Chakib Khalil jette le projet de dénationalisation des hydrocarbures. Jette le projet de les rois américains, le 2005, le même jour, vota au Sbah à l'APN. Pour l'accord d'association, sauf Hena, le soir avant 17h, eh ben, le Hukuma Habto à l'APN, le projet est à Chakib Khalil. Et le 19 mars, le jour de la victoire, Eid al-Nasr, ils ont osé ouvrir le débat et pour le vote, ils ont soumis au vote, hadik la loi à Chakib Khalil, ou Hena Kuna Wahedna, contre la dénationalisation des hydrocarbures, mais vota au Al-Khareim. Alors, pour ceux qui disent que le parti des travailleurs, ou la Louisa Hennoun, kan, Bouteflika kan Raïs Jumhuria, mais on était contre. On était contre, on l'a combattu avec des campagnes, avec EGDA, même avec nos amis syndicalistes et militants ouvriers en Europe, parce que Andena, dans le cadre de l'entente. Alors, la perte pour le trésor public, 147 milliards de dinars par an. Les douanes ont donné les chiffres, d'accord? Le ministère des Finances ont donné les chiffres. Les experts d'Algex ont donné les chiffres. Même les experts européens ont donné les chiffres. Mais 57 000 emplois vont disparaître. Et c'est vrai, déjà, dès les premières années, 50 000 emplois ont disparu. Après des centaines de milliers, parce que là, on était devenu un déversoir. Sortez les produits
européen et même sous couvert d'étiquette européenne, ça a été même israélien, jib hnaya yebzou dans le et huma bien sûr avec le démantèlement fiscal, ça veut dire avec le kinhiwlhom les tarifs douaniers bchouya bchouya. Alors en 2010 déjà on perdait 2,2 milliards de dollars, 2,5 milliards de dollars hadiya fi les recettes نتاع le trésor public. On بعد كي نوصلوا la zone de libre-échange, le 1er septembre prochain, quand en principe en 2017, tous les 3,5 milliards de dollars. Ça veut dire une catastrophe. Maintenant, la presse parle, les universitaires ont parlé, les économistes ont parlé, les responsables ont parlé, le président à Algex, à les exportations, ils ont parlé. C'est-à-dire, qu'il y a des gens qui ont dit, qu'il y a des gens qui ont dit, maintenant, il faut franchement nous rejoindre. Mais il y a aussi l'écal, il faut qu'on réforme dans le fond. Mais nous devons réformer l'accord d'association avec l'Union européenne. D'abord, c'est un cadre biaisé, parce que l'Algérie a négocié qui est d'aïfa, qui est mazoula, donc les concessions n'ont plus pouvoir. Alors, c'est un accord global. Mais il mise sur l'économie, il mise aussi l'université, il mise l'adala, il mise la formation professionnelle, il mise les libertés, il mise tout. Il a chroro, on fait tout, mais il n'y a pas la réciprocité, il n'y a pas la règle de la réciprocité. On t'a dit que Fibel, que l'Algérie, le gouvernement algérien, il va interpeller le gouvernement français ou l'allemand ou l'amanafskoun, ou sa politique éducative, ou sa politique de l'enseignement supérieur, ou sur l'adala, ou sur da. Non! C'est une sorte de protectorat, donc y compris une hégémonie politique, et Houma, ça bourre comme les Européens, ça les arrange très bien. Là, c'est la désertification. On a perdu 400 000 emplois. Au minimum, ça remonte à 2012. Maintenant, je ne sais plus combien, je les chiffres, donc le 1er septembre prochain, il y a un État algérien soucieux de la souveraineté nationale et des intérêts du pays. Puisque le président, eh bien le trésor public, quand il a suspendu avec le démantèlement tarifaire, tout de suite, on a eu des gains, des rentrées, 115 millions de dollars. C'est mieux que rien pour une seule année, un seul semestre. C'est mieux que rien. On peut recouvrer les recettes internes douanières, on en a besoin. On en a besoin. Et puis ça fait partie du combat contre la surfacturation. Parce que c'est comme ça qu'on a ouvert la porte grande à toutes sortes de trafics. Et à notre avis, c'est pas criminel, c'est pas que l'État se réapproprie pour une période courte le monopole sur le commerce extérieur. Le temps de remettre de l'ordre. Le temps de remettre de l'ordre. Les Américains, tout est contrôlé. Les Européens, ils ont dit n'importe quoi. Pour un dollar, il y a 20 dollars. On les importe, les bleds. Et les importations se sont multipliées par deux en moins de 7 ans. En moins de 7 ans, puis par 3, puis par 4, puis par 5. Et donc ça a explosé. C'est une hémorragie, c'est une véritable hémorragie. Et si on doit, comme le président de la République a dit, Bzef, oui, Bzef, mais alors Bzef, c'est pas la peine de nous raconter des histoires. C'est comme le système, il n'est pas réformable. Comme le système mondial à l'échelle internationale, il n'est pas réformable, c'est fini. Il est gangréné de l'intérieur, l'accord d'association, il est fait et donc maintenant, si on veut vraiment relancer notre économie sur de nouvelles bases, en toute indépendance et en toute souveraineté, et il y a l'article 107 de l'accord d'association. Et le 20 août. L'article 107 à l'accord d'association, il nous permet de sortir. On les informe 6 mois à l'avance. Chiche. Avant le 1er septembre, le président de la République et le gouvernement, ils annoncent ça. Je suis persuadé qu'ils auront le soutien de toute la population. Le 20 août. Le 20 août, c'est-à-dire là, le 21. Oui. Le 20 août, c'est-à-dire le congrès de la Soma. Oui. Malheureusement, l'ASF, le 20 août, cette fois-ci, ce n'est pas comme l'année dernière, là, même les années d'avance, même si, bien sûr, il y a eu une marche sur Ifri déjà. Il y a eu Akhrata, bien sûr, il y a un moment, mais ce n'est pas la mobilisation avant à cause du Covid, les restrictions, les wilayas, mais elles marchent pour reprendre avec force. Maintenant, ça nous renvoie à Tchir Jahna al-Tarikh Tahna.
le 20 août 55, c'était pour desserrer les taux sur la révolution, sur les zones qui étaient complètement encerclées. Et donc, c'était l'unité du peuple algérien, pour renforcer l'unité du peuple algérien dans sa révolution, pour dire aux colonisateurs, non, il n'y a pas que les Aurès, non, il n'y a pas que la Kabylie, il y a tout le peuple algérien partout. Il y a, et donc, c'était pour matérialiser concrètement, y compris dans le sacrifice et devant le martyr, hein, la détermination du peuple algérien pour accéder à l'indépendance. Et le congrès de la Soumam, c'était jeter les bases de l'avenir. Quelle est la nature de l'État algérien? Malheureusement, les questions essentielles sur la nature de l'État algérien, hein, la primauté du politique, du civil sur le militaire, etc. Donc les questions essentielles, la nature de l'État algérien démocratique qui avait été le congrès de la Soumam, parce qu'elles ont été contournées après l'indépendance, déjà depuis la réunion de Tripoli, après l'indépendance, avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai le temps malheureusement de revenir là-dessus. Et c'est le système de parti unique, les Farad Rohou, eh bien aujourd'hui, nous payons le prix. Nous avons payé le prix très très cher. Ça veut dire que l'Youm, on est en train de renouer. Comme l'âme l'est faite l'an dernier, les Algériennes et les Algériens ont renoué avec le 5 juillet, avec le 19 mai, avec le 19 mars, avec le 1er novembre, à travers des manifestations, et le débat est ouvert sur notre passé, parce que celui qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Et nous avons un passé glorieux sur lequel on peut s'appuyer pour dire là il y a eu des fautes, là il y a eu des erreurs, et on a payé très cher. Là c'était juste. Alors on va renouer avec Hadouk les principes. Votre message au peuple. Mon message au peuple algérien. Mon message au peuple algérien, le Parti des travailleurs, depuis Millet SS, combat pour la démocratie et le socialisme véritable. La démocratie véritable, ça veut dire la souveraineté du peuple, l'assemblée constituante, la parole au peuple. C'était depuis l'étoile nord-africaine. La question était fondamentale. Qui était aussi central, les nationalisations. Même à l'époque, le management, les banques, les chemins de fer. Après, bien sûr, il n'y avait pas les hydrocarbures, le mahlouqat, hadak el waqt. Le parti des travailleurs, c'est le prolongement de la révolution algérienne. En fait, le 22 février 2019, qu'ont dit les Algériens? Qu'ont dit, et c'est d'une extrême beauté, يعني شراء الصورة رائعة قالوا 62 حررنا الأرض درك نحرروا الإنسان صحيح en 1962 تحررت الأرض après حررنا y compris l'iqtisad puisqu'on a nationalisé le pétrole les infrastructures ولكن الإنسان ما تحررش بسبب نظام الحزب الواحد. Alors oui, il y a eu une parenthèse à le Covid partout dans le monde, ça a été comme ça, et tout le monde est conscient. Nous sommes tous conscients. Nous sommes tous conscients. Nous sommes tous conscients. Il y avait l'avant, 22 février 19, et l'après. Hadi, ce n'est qu'une parenthèse. Le peuple algérien n'a pas abandonné ses aspirations. L'aile démocratique, la vérité, ça veut dire qu'il a décidé de sa vie. Il a décidé de la nature et de la structure de l'État. Ça veut dire qu'il entre dans un processus de construction pour construire. الدولة اللي يشوفها مطابقة للتطلعات نتاعو لا جونيس اي كونسيونت الي اوز افون بوست نتاع هاد لا موبيليزاسيون كي بران مانتنون دي فورم مختلفة. على غالب ما كانش دي مانيفيستاسيون مي بيرسون نو سي ماشي انا اللي نقول لكم خرجوا ولا ما تخرجوش لا باسكو لا بوليتيك راهي مسارات دي بروسيسوس نهار اللي تنضج الامور اكيد باللي راح يعاود يتربط المسار اي دونك هذا المسار الثوري الهدف نتاعو رحيل النظام والتعبئة الشعبية الواسعة الثورية هي اللي تقدر تحقق هذا الهدف. حزب العمال رح يبقى دوما وأبدا مع المنظمة الشبانية تاعو، منظمة الشباب من أجل الثورة، مع اللجان تاعو العمالية النسائية، مع كل الطاقات النضالية في 48 ولاية يساعد الثورة، يحترم الطبيعة نتاعها، يحترم التعب حتى تحقق الأهداف نتاعها. تحقق النصر معناه يرحل النظام ونأسس للديمقراطية الحقيقية، نأسس للجمهورية الديمقراطية
اللي تستكمل تكمل الأهداف نتاع الثورة التحريرية يعني في كل الميادين في الجانب السياسي والاقتصادي والديمقراطي ونحافظ ونقوي كل المكاسب تاع الثورة باش نزيد نأكد الوفاء للثورة للشهداء. وإحنا البارح كان 20 أوت، دونك العهد نتاعنا احنا العهد نتاع الوفاء للشهداء هو أننا نكمل المسيرة اللي هما بداوها. ثانميرت مساوي زحمد نسمحي كان السادة 9 وقور أنك في يونو باس في الحفص نبلي الدايتيك التامزي ورفاد مسلاي ثغامسة ثمسلاي غد كايثي ليزاري وانت مسلاي دي ثاليزان بربة تلفزيوسنا ثانميرت مقرات ميفق فضو في نوف قناة تاقي تلزران بربة تلفزيون أن في كابكو أول لكن نسل ونس مزقث يلي ونس سيرميس يلي ونس مغالي غينس مازال في كمل وولا فينا ثانميرتهم دكنا وحمد نفع إقلنا ساقي يفنا جاونا هنا تلويث أرثميريث.